La dernière partie du jeu, tout simplement. Donc voilà. Voilà, on fait avec. Et il y a le vieux monsieur. Allez, let's go. On avait ouvert la porte, et maintenant il tente de monter ses marches, mais de façon shonen. On va monter la citadelle de la couronne de glace. Incroyable. Allez. Là c'est vraiment God of War là par contre. God of Choupi. Ah, le petit effet de lumière sur la neige, vraiment, il est trop bien fait. Le roi de la mise en scène, hein, totalement. Payez-moi pour faire votre trailer le 3, hein. Moi je suis totalement chaud pour ça, quoi. Je sais faire à peu près deux cuts sur Sony Vegas, vraiment. Vraiment, je fais tous vos meilleurs cuts, quoi. Je trouve tous vos meilleurs segments. Voilà. Oh, c'est magnifique. Ce photobombe. En fait, ce qui est rigolo avec ce décor, c'est que tu dirais, si tu le prends juste comme ça, le décor, tu dis pas. Genre, tu prends ce décor, tu fais. Ah oui, c'est Kina, le jeu tout mignon là avec les petits Mogwai. T'as mode. Bah non, c'est God of War Ragnarok. Tu dis de la merde. Le feu, oh là, trop bien fait le feu. Ah, ça va être direct être la baston là du coup. C'est direct la fin du jeu, vous pensez? Ah oui, c'est lui, c'est vrai. Putain, j'ai totalement oublié. Mais oui, c'est où, c'est le type au début du jeu. Quoi? C'est parti pour Kina Full Movie. Complet. Vostefer. Non, mon bâton. Flamme doudoune. La suite dans Kena 2. Ah, c'est le moment shonen. Mais c'est nous petits.
Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Je comprends pas tout. Oh non, faut remonter les marches. You traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Archie's spirit was different, stronger than the others. You was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. Il va falloir aller méditer sous une cascade. My father told me stories of the sacred mountain shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone. But I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them. To reach the spirit realm. Tout en maintenant votre bouclier avec L1, appuyez sur R1 pour effectuer un élan. Utilisez l'élan pour esquiver les attaques et traverser les portails d'esprit. Effectuer un élan consomme de votre énergie de bouclier. D'accord. Tchou! Ouais. Ok, maintenant on va repasser à travers les autres portails avec ça. D'ailleurs, on dit un portail des portos, hein, faut le savoir. Non, j'ai 4. Ok. Ça devient très sombre. Du rap très très sombre. Ok. Ah, sans subir de dégâts. Ah ouais, d'accord. Pourquoi il est invisible, Léon, what the fuck? Merde. Ah! Eh merde. Comment on faisait la bombe déjà? Attendez la bombe. Ok.
que c'est comme ça. Un jeu d'enfant maintenant. C'est vrai. Oh. On va peut-être y passer un petit peu de temps. On va peut-être pas le faire rapidement. Hop. Non, ah, non. Ok, attends, il reste plus que lui. Ok. Il est incroyable. C'est qui ce mec? Je le connais pas. Bon. On verra plus tard. J'ai parlé un peu vite. T'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Tu pouvais pas savoir que j'étais mauvais comme ça. alors. Ouais. Toi t'es vilain toi. Toi t'es pas très gentil. Hein. Pas très très sympa quoi. Oups. Ah mais pourquoi j'ai pas de vie par contre? On arrête de crever là, je commence à faire beaucoup là. Même dans la cinématique on est mort. Ça va bien faire. Merde. Qu'est-ce que... Il faut que j'arrête d'être couillon comme ça. Là. Ah, ah merde, on a une espèce... Ah d'accord, il y a une espèce de malédiction trop bizarre. D'accord. Putain mais c'est abusé, il nous a mis un sort qui nous a enlevé toute la vie là. C'est pas très sympa hein. Ah putain mais merde. C'est abusé ça par contre. Attends. Ah putain oui pas con le truc du pouvoir pour passer à travers, ça a peut-être pas envie de battre l'ennemi ouais. Ah, c'est vraiment lui qui est relou là. Ah putain, c'est à cause de lui que j'ai perdu toute ma vie là. Bah, oui, c'est bon quoi. Attends. On va essayer le truc du coffre du coup. Parce que ça que tu. Tu as teasé ma curiosité, je dois bien l'avouer. Voilà. Oh, coupez tout, coupez le stream, ça suffit. On arrête tout, j'en ai marre. Salut. Non, j'ai 4. Voilà, bref. C'est quoi? Le jeu, je te reprends tranquillement, je me dis on va passer un bon petit moment, on va être sympa. C'est ça, c'est comme ça que tu m'accueilles là? Non, je suis pas d'accord. Je pensais qu'on était potes, je pensais qu'il y avait un truc quoi. Putain. Faux frère. Là.
Ah putain, c'était bien ça. Ah, t'es vraiment un génie, Tikui, quand même. Je pense que qu'on te le dit pas assez. Et moi, je te le dis, mec. Voilà. Allez, dans la famille Cowboy, je demande le pognon. Hop, allez, let's go. Let's go, Daniel. Faut vraiment que je cancel dès qu'il essaie de faire son sort de chiasse, là. Ah, putain, non. Non. Eh, merde. Quoi? Mais c'est pas gentil, ça. Merde. J'en ai marre. Fait combien de fois qu'on meurt en même pas 5 minutes, là? Comment c'est bien faire? Abusé, wesh. Non! Putain, les petits bonhommes, ils servent à rien! C'est incroyable quand je vois ça. Ça me rend ouf. Non! Non, putain! Qu'est-ce que je fais? Je m'en mets. Putain, je m'en mêle dans les touches, c'est infernal. Oh, je m'embelle tellement dans les touches au bout d'un moment. T'as le marteau, t'as le carré, t'as le bouclier, t'as le dash. Oh, c'est relou. Et c'est tout ça juste sur les gâchettes. Hein. C'est... c'est vraiment très très relou. Ah non, c'est pas du backseat, ça, c'est de l'entraide, mon ami. On fait cette aventure à deux. Ah putain. Par contre, j'aimerais bien le niquer l'autre avec son sort de chiasse là. Ah, mais d'où? Non, tu vas pas faire ton sort de chiasse là. Non, non, je te le dis direct. Calme-toi. Ah, merci. Tu n'es pas encore assez fort pour battre cet esprit, tu dois réfléchir sur toi-même. Du coup, va tuer plein de monstres comme t'as fait tout à l'heure. Je pense que ça va t'aider à trouver la paix intérieure, d'aller niquer tous ces monstres. Voilà, merci beaucoup. Ok. Bon, on s'installe bien là. Pourquoi? Bah, c'est ouvert là. Bah, allez dessus, bande de cons. Bizarre. Bah quand le bourgeon il est ouvert comme ça, c'est qu'ils peuvent aller dessus, non? Ouais. Bah allez dessus. Pourquoi il me propose pas? Mais... Je crois... Hein?
Tête de Bob Lennon sur 20. Oh, le pire barbare. Haha, Ulia. Bref. Là, c'est un bug. Parce que si c'est un bug, moi ça me fait pas rire. Non. Putain, mais allez dessus, bordel! Pourquoi ils vont pas dessus, les gars? Putain de bug! Putain de bug! Putain de bug! J'en ai marre de cette vie! Hein? Ah, merci. Quelle imitation! Bah putain, c'était vraiment un bug! C'est chaud quoi, merde! C'est bon. Heureusement que j'ai flairé que c'était un bug, hein, bordel. Sinon, c'est le truc, c'est typique, j'aurais passé 10 ans dessus quoi. Ouais, il faut que j'aille me mettre là-bas, je pense. Je crois qu'on a tout fait du coup. Ouais. Voilà, ils sont morts. Hop là. On parle plus de tout ça là. Contamination, ça suffit. Ah! Quoi? Ah merde! Putain, le caillou il sort vite dessus! J'avais pas capté! Putain, je me. Je suis couillon! Ok, il fait semblant d'être surpris. Hop!
contre, je vais clairement clamser, ça je bouge pas les fesses. Bonjour. Non, c'est pas du tout celui que je visais, mais c'est pas grave. Bravo les gars! Putain, 30 ans de jeux vidéo les gars. 30 ans de jeux vidéo les gars! Bref. Le Hooper. Hein. Toujours. Hop! Oh, putain! Putain, putain. Alors. Allez. Bye bye. Retrouvez-moi à tous vos mariages, à tous vos baptêmes pour faire les invitations les plus pourries de vos youtubeurs préférés. Hop. Un petit masque, ok. Attendez, il y a forcément une goutte avec un petit... Je m'en souviendrai. Ouais, il a l'air vraiment lent ce jeu. Comme un beat. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Voilà. Voilà, c'est... voilà. Attends. Le tir ressemble à ce qu'il porte. Ah bon, mais depuis quoi il te... Quoi? C'est pas du tout ce que je vais faire. Avec mes cheveux, la seule imitation que je peux faire, c'est Antoine Daniel. Hein. Quoique, aujourd'hui, ils sont relativement plats. Parce que j'ai pas eu le temps de les coiffer un peu. Un peu de lumière, ça fait du bien, c'est vrai. Salut bande de suceurs de foutre de sperme. Est-ce que vous avez déjà vu un chat qui pète? Évidemment que vous avez déjà vu un chat péter. Alors regarde la première vidéo. La pire imitation. Regardez-moi ça, mais ce chien a pété, mais c'est incroyable. Mais en plus après qu'il ait pété, on dirait qu'il a vu le sens de la vie. Voilà. Après le chat il pète. C'était quand même une autre époque. Hein. Alors. Voilà. Ouais. Ah ouais, d'accord. Petit parcours. Hop.
Vas-y, portez-moi ça. Là. Je veux dire, on reconnaît plutôt bien, c'est vrai. Il y a un style, il y a un style. Ou alors c'est parce qu'il est 2h30. Fait, je pense que ça joue quand même. Non, mais ça, c'est le genre de truc en général, ça sonne mieux dans ta tête. Une fois que tu le dis, tu passes un mauvais moment. Avec toi-même. Ouais. Donc là, je joue à Kina sur PlayStation 5. Mais ce jeu, il est tellement dur que je préfère me mettre un concombre dans le cul, hein, vraiment. Regardez-moi ça, les contrôles. On sait même plus quelle gâchette sera, quelle gâchette. Alors, attendez. L1, c'est pour faire la vague. C'est aussi pour faire le bouclier. L2, c'est pour tirer à l'arc. Mais c'est aussi pour lancer une bombe. Mais putain, c'est un jeu vidéo, c'est interview, là. Pourquoi je me fais rien avec mes conneries? bref. Oui. Ils sont pas tous mis là. On dirait genre il est mal mis lui. Ah ouais, faut vraiment qu'il corrige les petits bugs comme ça, c'est un peu relou. D'accord, hein, ils ont tous une couleur associée, non j'ai rien dit, c'est moi qui disais de la merde. Donc lui il va là en fait. D'accord. Voilà. Oh putain, QI de 143. Oh le QI de malade. Alors. Merde, c'est pas du tout le bon truc. Putain, mais j'arrive même pas à associer trois couleurs ensemble, quoi, merde. Enfin, je retourne à la maternelle, là, soit possible. Voilà. N'empêche, pour quelqu'un qui est censé aider les esprits, ceux-ci ne sont pas très coopératifs. Bah, c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à essayer de nous péter la gueule, hein, les esprits. Merde, putain, et vraiment, faut que j'arrête de m'emmêler dans les touches, mais ça se... Je suis moi-même mon ennemi dans les jeux en fait. Hop. Voilà. Peut-être baisser un petit peu la lumière, hein. C'est un petit peu agressif pour les yeux à cette heure-là. Voilà, donc, vous aurez ma tête un petit peu plus sombre, mais c'est pas grave.
Ok. Bon. Et après. Bon, spoiler, on va pas faire le jeu ce soir. Ça va être compliqué, je pense. Crash Bandicoot, Ouka Ouka et Cortex se sont associés pour... tu dois récupérer les pommes et les cristaux. What? 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 Pousse. On m'a dit pouce. Putain, on a dit pouce, la merde. Oula. Ah! Oh merde, quoi? C'est quoi ça? Hey! Ah, peut-être que je sorte avec le dash. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça va pas être le first try, hein, je spoil direct, voilà. Bon. On fait avec. Ah, c'est vrai qu'il y a du soin dans le coin, faut que je pense à le prendre. Ah, putain, il me met quand même bien cher au début. La caméra m'aide pas là en plus. Merde, hein? Non, ça marche pas. Putain! Je vais faire quoi? Comment je sors? On recommence. Et merde. Ah, je comprends rien, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être avec le masque? Non, même pas, ça sert à rien. Je peux pas utiliser. Putain, je peux pas taper à travers, je peux pas tirer de flèches. Ah, c'est avec les flèches, ok. Il y a un truc à faire avec les flèches. Merde, il faut du sur vite. Oh le salaud, arrête de te TP comme ça, espèce de gros lâche.
pas eu le temps. J'ai merdé. Ah, je m'emmêle les pinceaux tellement il y a de touches maintenant, tellement il y a de trucs. Je m'emmêle trop les pinceaux. C'est pas du tout d'excuse parce que je suis nul. C'est pas du tout ça. Non, du coup, non, c'est les flèches, du coup. Ah putain, à chaque fois, je me fais avoir alors que je sais très bien qu'il va le faire. Putain, à chaque fois, je lâche l'arc avant de lâcher la flèche. Ah, nice. On va en finir. Voilà. Je mettrai aussi la responsabilité sur l'heure et la journée de travail dans les pattes. Oui, c'est vrai, tu as totalement raison, merci beaucoup. Merci de me trouver des excuses à ma place. Hein, parce que vos streamers favoris là, hein, ils galèrent pas dans les jeux. Parce qu'ils ont pas eu de travail avant. Parce que eux, leur travail c'est streamer, et c'est pas un vrai métier. Hein, voilà. La mauvaise foi. Ok. Ouh. De l'encens Undertale. Ouais, on peut avoir 100 bonhommes à la fin. On en a 66. Ah, ça commence à faire rien. Un petit troupeau, hein. Un petit troupeau. Merci le vieux, merci serveur rien du tout. Losing so much drove him to do terrible things. Attendez, hop, j'ai un truc. Putain, ma chaise, elle... ma chaise grinçante. Et même sans travail à côté, il galère aussi. Oui. Ok, bon, allons-y. Ouais, c'est joli, hein. Hop, c'est l'heure d'augmenter sa barre de vie. Ah, let's go. Ça fait du bien. Méditons ensemble.
Allez, on continue. Pas une sortie rapide. Ah bah oui, je suis bête, il y a le point de TP.